Voici les clés. Le règlement se fait par chèque et exclusivement par chèque. Messieurs, je vous demanderai à présent de m'écouter attentivement. Soyez prévenus, je serai intransigeant sur la date butoir à laquelle je veux voir ces petits papiers dans ma boîte aux lettres. Évidemment, je me vois dans l'obligeance de vous demander une caution signée, et ce, le plus rapidement possible. Ai-je été insuffisamment clair, messieurs? Par ailleurs, comment se déroule votre emménagement? Pour ce qui est d'Internet, de l'électricité ou encore du frigo et du lave-linge, évidemment, cet appartement en est dépourvu. Ainsi, messieurs, je vous laisse la lourde tâche de vous débrouiller tout seul. Voilà, eh bien, c'est parler de moi. Cette question arrive un petit peu comme un cheveu sur la soupe, mais comment vous êtes-vous rencontrés? Dans un petit café du coin, j'ai rencontré mes deux copains. On avait le même point commun, on collectionnait les lapins. Il est jamais sorti de son berceau, on vous parle du petit oiseau. On a donc créé une asso. Y en a-t-il d'autres qui sont encore plus sots? À quoi bon être sur terre, puisqu'on s'est jamais envoyé en l'air? À quoi ça sert d'avoir un ver de terre, même pour pêcher un thon galère? Même pour pêcher un thon galère. Oh, 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 oh. Jamais personne n'a utilisé. J'ai l'impression d'être un abbé après avoir juré fidélité. N'importe quelle tronche pourrait le fourrer, même un trou de nez pourrait me soulager. Le seul minot qu'on a labouré, c'est celui de notre mère quand elle a accouché. Accouché. Sur terre, puisqu'on s'est jamais envoyé en l'air, on n'a qu'un seul héros sur terre, c'est le chroniqueur Jean-Michel Maire. C'est le chroniqueur Jean-Michel Maire. Oh, oh, oh. Parce qu'au moins lui, il a son chien. On aimerait avoir des gamins, sauf qu'on n'est jamais rentré dans le souterrain. Souterrain, souterrain, souterrain. À quoi bon être sur terre, puisqu'on s'est jamais envoyé en l'air? On devrait pouvoir faire la guerre à terre, pour aider tous les soldats à terre. Pour nous, ça changera notre destin de pouvoir enfin toucher vos seins. Aidez-nous pour notre combat. On veut pas mourir sans connaître ça. On nettoiera la salle de bain si vous nous prêtez vos vagins. Pas plus que ça, juste serrer une femme dans nos bras. Eh bien, messieurs, comment vous êtes-vous rencontrés? Non, parce qu'avant vous, j'ai rencontré plusieurs visiteurs qui venaient de milieux ruraux complètement différents. Je me rappelle notamment de cette jeune femme de peau très mate qui m'a dit pas plus tard qu'hier qu'elle...
Eh ben j'en ai ras la trompe, hein. Démerdez-vous.